Le peintre Slobo, adepte des fresques murales, rénove celle de la place Thomas derrière la cathédrale de Clermont. Une peinture murale en trompe-l'œil de 750 mètres carrés, la plus grande de l'artiste après celle réalisée au théâtre de Belgrade. Après 12 jours de travail, Slobo devrait achever sa renaissance d'ici une semaine. C'est une fresque que j'ai faite il y a exactement 20 ans. Et alors il était abîmé par les tags, il était abîmé par le temps aussi, dont la mairie a décidé de le refaire parce qu'il y a beaucoup de... Ça devient comme un patrimoine, si vous voulez.